scroll it, pose it, click it, cross it, bracket, twitch, update it, name it, read it, use it, print it, scan it, send it, fax, rename it. Je m'appelle Hervé Imoru, je suis étudiant en architecture à l'ENA et je suis togolais. Mera naam Waseem Saleem hai, main Pakistan se hoon, main 22 saal ka hoon. Ahmed Amin Alai, talib sana al-khamsa bil hindsa watania lil hindsa ma'mariya. Ça, mujhe nahi lagta ki insaan ki apni banayi hui machine insaan pe kabu kar sake. Je pense que ces questions de technologie, de machine, d'homme nous font revenir vers des questions beaucoup plus fondamentales et beaucoup plus essentielles. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la machine, et des questions de notions. Oui, il peut être dépassé par la machine. La vitesse de développement de la machine est supérieure à celle de l'homme. Mais c'est surtout parce que le monde Kamel tourne autour du calcul. Tout est devenu quantifiable. Et donc, le système quantifiable, la machine dépasse l'homme. Mais si on revient à un monde plus sur des normes qualitatives, la machine ne peut pas dépasser l'homme. Moi, je pense que l'homme ne peut pas être dépassé par la machine, étant donné que cette machine, elle est élaborée par l'homme. Bien sûr, la machine peut prendre le dessus techniquement et physiquement, mais intellectuellement, je pense que l'homme prend toujours les dessus sur la machine. Si on entend par l'immortalité que l'homme va vivre beaucoup plus longtemps que les normes actuelles, oui, la machine permettra certainement de rendre la moyenne d'âge plus vieille. Mais une immortalité totale, non. C'est par croyance religieuse, non. La mort, c'est une vérité existentielle éternelle et connue par tous les êtres humains depuis la nuit des temps. Si on revient vers l'histoire de l'humanité, les hommes ont essayé de tenter de devenir immortels. Par exemple, l'Égypte, des pharaons, ils ont essayé de se momifier justement pour être donc immortels. Personnellement, non. Parce que je conçois que l'immortalité est plus un défaut dans la mesure où il y a aucun, je pense qu'il n'y a aucun plaisir à vivre très longtemps. Bon, si la technologie assurera l'immortalité pour les humains, bon, je pense que à court, à moyen et à long terme, ce ne sera pas possible. Mais à très long terme, il y a des chances que ça puisse arriver. Si on entend par l'immortalité que l'homme va vivre plus longtemps, par exemple 300 ans ou 400 ans ou 500 ans, oui, le surhomme va peut-être vivre plus longtemps. De toute façon, l'espérance de vie, elle va en grandissant. On ne va pas arrêter de mourir, mais on va vieillir plus. La foi apporte des réponses profondes à ce questionnement. Moi, je pense plutôt que la technologie a pour finalité l'humain dans la mesure où elle est conçue pour le servir. Il faut qu'on ait des fondamentaux et un sens à notre existence pour pouvoir mieux aborder les nouveautés. पुराने जमाने में काफी मुश्किल रहा है लोगों के लिए जब वो कोई ईमेल या पोस्ट भेजते थे एक जगह से दूसरी जगह तक काफी टाइम लगता था आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और टेक्नोलॉजी काफी इंसान को और भी बहुत से जरिए हैं टेक्नोलॉजी इंसान को हेल्प करने के लेकिन हां यही ça dépend de la technologie mais au final la machine pour qu'elle tourne c'est-à-dire la machine, le système mondial pour qu'il tourne, il a besoin de consommation. Donc toute technologie vise à être consommée. D'ailleurs, il y avait eu ce débat entre les ingénieurs. La création de la technologie, si on devait produire des objets avec de longues périodes de vie, ou si les objets qu'on devait produire devaient avoir une période de vie définie et courte, pour que les gens puissent consommer.
Ou au final, ils ont choisi de produire des objets qui ont une durée de vie courte pour que les gens puissent consommer. Parce que sinon, là, tu vas pas consommer le nouveau. Et donc, si tu consommes pas le nouveau, la technologie ne va pas se développer. Ou donc, le domaine va être réduit.